Salut les amis, cette semaine c'est Léa pour Hello Supérette. Alors pour ce tuto vous aurez besoin d'un sweat ou d'un pull, d'un marteau, de gros anneaux ouverts si possible parce que nous en fait on est vraiment débiles, genre on a vu des anneaux, on s'est dit waouh c'est trop ceux-là, ils sont parfaits. On les a achetés, ramenés à la maison et là on a vu qu'ils étaient pas ouverts et du coup on les a coupés avec des pinces. Super gain de temps, super. Après il vous faudra aussi des petits œillets et dans la boîte normalement vous avez les outils qui vont avec. C'est merveilleux, avec une petite et une grande partie. Et des ciseaux comme d'hab. Alors d'abord vous allez couper la bande de bord-côte en bas du sweat. Et ensuite, vous coupez une bande de 5 cm sur tout le tour. On vous conseille de poser des épingles pour vous aider à couper droit. Ouais. Donc vous posez vos petites épingles sur tout le tour. Vous faites une petite entaille à un emplacement d'épingle avec le ciseau. Et après, vous vous amusez à rejoindre les épingles. Ça vous rappellera quand vous étiez au primaire. Ouais. Mais si, les petits dessins là, 1, 2, 3, tu sais de quoi je parle. Non mais du coup, vous mesurez le tour, vous divisez par le nombre d'anneaux, ça va vous donner la distance entre chaque œillet et comme ça, vous aurez un travail un petit peu propre. Donc Antoine me dit de vous dire, parce que visiblement j'explique pas bien, que en gros, il faut reporter ce que vous avez fait sur le sweat, sur la bande, voilà. Vous mettez les épingles en mode miroir, comme ça, tout est bien en face. D'ailleurs, avant de faire ça, si quand vous placez vos épingles, ça ne tombe pas juste au niveau des écarts entre les œillets, vous pouvez tricher et rajouter 1 à 2 cm, ça se verra pas du tout. Ça se verra pas. Et puis si quelqu'un le remarque, ben, vous lui direz qu'il c'est un menteur. Pour définir l'emplacement exact des œillets, vous prenez la bande que vous avez découpée précédemment, vous la placez en dessous du top, vous mettez l'anneau à cheval sur la bande et sur le sweat, vous regardez à peu près la distance que vous souhaitez entre la bande et le sweat, et ensuite vous marquez le haut et le bas de l'anneau avec des épingles et c'est tout. Magie, magie. Alors pour les œillets, normalement c'est écrit sur la boîte, mais on va quand même vous expliquer, il y a deux parties, la partie mâle et la partie femelle. Donc tout d'abord vous faites un mini trou à l'emplacement de l'épingle, vous enfilez le mâle sur l'endroit, vous posez la petite partie de l'outil sur la table ou peu importe. Vous posez la partie mâle dessus, donc là elle est face à vous sur l'envers. Vous enfilez la partie femelle sur la partie mâle. Et ensuite vous prenez la grande partie de l'outil et vous tapez au marteau. Vous faites attention à la surface sur laquelle vous allez faire ça parce que si vous tapez trop fort, vous allez vous trouer la table. Donc ce qu'on vous conseille c'est de donner des petits coups mais pas très fort. Comme ça vous aurez un travail assez propre. Vous faites ça partout, donc sur la bande du bas et sur le sweat. Ce qui vous donnera à peu près une centaine d'œillets à faire. Et ensuite, vous enfilez les anneaux. Ouais. Et après? Et après quoi? Et après, on a un super sweat customisé. Et voilà, votre sweat customisé de beau gosse. Il est terminé. Ça marche pour les filles, ça marche aussi pour les garçons. Vous pouvez aussi faire ça sur les manches. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous fasse un tuto sur comment le faire sur les manches, vous n'hésitez pas, on vous préparera ça. Ça nous prendra pas très très longtemps. Pour le plaisir, laissez-nous un petit pouce bleu et un petit commentaire. On adore ça. Pour le plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram. On vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Et si vous voulez, vous pouvez revoir notre petite vidéo d'Halloween qui fait peur. Chut.